S'il vous plaît, merci de m'accorder. Je ne prends pas la parole pour vous empêcher de pleurer. Mais permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. Nous ne sommes pas là pour nous empêcher de pleurer. D'ailleurs, nous sommes là pour pleurer. La Bible nous encourage fortement à le faire. Il est écrit, pleurer avec ses pleurs. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions nous tourner vers Dieu. Dans la douleur, dans la souffrance, dans ce que nous ressentons dans le plus profond de notre cœur. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de nous encourager au travers des Écritures. La parole de Dieu peut nous soutenir dans les moments difficiles. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions la proclamer, que nous puissions nous rappeler les vérités bibliques par rapport à la Bible. Quand nous parcourons la Bible, elle fait allusion à la mort. Et je voudrais vraiment invoquer le nom de Jésus et juste un passage biblique pour nous encourager. Seigneur notre Dieu, nous venons nous tourner vers toi, Seigneur, pour solliciter ta grâce. Nous voulons invoquer ton nom, Seigneur, toi qui es le Dieu de toute consolation. Toi qui sais nous consoler dans nos afflictions. Seigneur, Seigneur, viens à notre secours. Viens nous consoler, viens nous fortifier. Nous voulons recommander ce moment entre que saintement. Nous voulons solliciter ta faveur et tes compassions. Saint-Esprit, toi qui nous consoles dans nos afflictions. Jésus, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tu sais pourquoi tu l'as dit. Parce que nous-mêmes, Seigneur,